faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Bonjour messieurs, dames. Ce direct ce matin-là s'adresse directement le fils de Irélu Yiré Colette. Le fils de Irélu Yiré Colette, c'est vrai, jusque-là, je n'ai pas encore écouté le fils de Irélu Yiré Colette. Ma première fois de le connaître, le jour qu'on a annoncé le décès de Irélu Yiré Colette, nous sommes déportés à son domicile. Je ne sais pas si c'est le domicile de Irélu Yiré Colette, si c'est le domicile de son fils. C'est là-bas que on faisait la réception de condoléances, là-bas. Et je suis allé avec un pain kita, un gros pain kita, et avec une grosse bouteille de liqueur, pour aller dire Yako. Pourquoi? Parce que Irélu Colette, quand j'ai perdu mon vieux Bolobi Kwai, c'est moi, j'étais au centre avec les enfants de Bolobi pour organiser le funérail. On a informé Irélu pour dire à Irélu que comme je suis frappé de deuil, elle a mon argent, elle n'a qu'à tout faire pour me donner au moins 1 million. Elle dit qu'elle avait compris. Et dans ça, on est resté là. Elle est restée en train de me tourner en bourrique. Donc, à ma grande surprise, un jour, elle envoie un pain. Elle envoie un pain Kita, 3 bouteilles de liqueur, 20 000 francs pour venir me dire Yako. A donné ça à mon oncle Galabi Gouré Stéphane. Bon, dans la vie, c'est bien. Quand tu perds quelqu'un et puis la personne vient te pleurer, te soutenir, c'est bien pris. Mais il était quand même normal que comme c'est mon funérail et que j'étais partie prenant dans ce funérail, elle pouvait me trouver au moins 1 million dans mon argent pour venir me donner. Et serait plus à l'aise au funérailles de mon vieux. Elle n'a pas fait. Elle a donné 300 000 francs. Les 300 000 francs là. Au début 200 000. Au début 200 000. Après, elle a envoyé 100 000 pour venir me donner. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Irélu Yiré Colette, je m'adresse à son fils aujourd'hui là même. Quand une femme de son rang vous a mis au monde et que vous êtes au courant de ce que votre mère fait, quand il y a une situation là, vous appelez la personne pour dire ah,
J'ai entendu ça et ça. Grand frère, c'est comment? Nos parents nous mettent au monde, on nous met au monde là. C'est pour prendre leur défense. C'est pour hériter leurs problèmes et tout l'héritage. Je suis sûr que c'est Hilaire Colette qui a payé maison pour donner à son fils. Donc, dans ce cas-là, son fils doit hériter ses problèmes. Mais aujourd'hui, là, moi, je pense que il n'est pas temps de pleurer, rester là en train de pleurer. Non, il est Colette, c'est lui qui nous fait ça, c'est lui qui nous donnait l'argent. Mais il vous a donné l'argent. Elle est morte. Elle vous a donné la haine et puis aujourd'hui elle est morte. Elle doit aux gens. C'est pas tout le monde qui se signale. C'est une partie de ceux à qui elle doit qui se plaint. L'argent n'est pas beaucoup. 3 300 000 francs. Elle m'a fait prendre les engagements de 11 millions. Elle-même là, de son vivant, elle a dit qu'elle allait rembourser les intérêts là avec moi. Parce que tu ne peux pas engager quelqu'un dans une affaire et puis la personne est sûre de ça. La personne, ça va prendre prêt avec des individus, c'est pas avec la banque. Et puis, l'affaire est fausse. Et puis, tu soutenais, la personne rentre ici, il sort ici pour aller prendre l'argent avec les gens. Ça, là, ça peut s'expliquer comment? C'est de tuer la personne. Au-delà de tout ce que moi je sais, c'est pour tuer la personne économiquement. Je pense bien que son fils, là, il est intellectuel. Je suis allé là-bas, derrière Mputo au village là. Et après Golf, je suis allé là-bas chez son fils. C'est là-bas qu'on présentait Yako là-bas. Je connais là-bas. Son petit frère Gébi là, il s'était porté garant pour dire que lui il allait voir sa grande soeur pour payer l'argent. Au dernier moment, quand il s'en va voir sa grande soeur lui dit que ça va pas chez toi. C'est comme ça. En tout cas, entre lui là-bas de façon restreinte là-bas, le cercle restreint là-bas, il vient nous dire que non, c'est sa grande soeur que. En tout cas, si elle va là-bas, c'est que sa grand-sœur lui dit là. Vraiment, lui, il est en position de faiblesse, que lui ne peut rien dire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est lui, il est Colette. C'est pas une dame. C'est pas sa première victime. Il est lui, il est Colette là. Elle en a l'habitude pour truander les gens. Et quand c'est comme ça là, qu'est-ce qu'il faut dire? Entraîner les gens dans un projet qui n'existe pas. Ou du moins qui existe, qui n'était pas prêt. Tu fais croire aux gens que le financement est là. Et les gens s'en vont prendre l'argent. Prêt pour venir s'injecter dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est synonyme de vol. C'est synonyme de escroquerie. C'est synonyme de la naque. Moi, je pense que ceux qui rencontrent leur vie dans les commentaires, ouais, c'est pas ici qu'il a venu parler de ça. C'est pas ici qu'il a venu parler de ça. Et que tu es un lâche. Mais c'est pas. Ça dit que la personne même qui prononce comme ça, qui fait un commentaire comme ça là-même là. Ça dit que il n'y a pas de cerveau dans sa tête, c'est de l'eau qui est dedans. C'est que la personne même là,
On dit qu'il s'assemble, se ressemble. La personne même là, a un comportement comme ça, c'est pour ça que lui, il intervient comme ça en faveur de Yirielou. Moi, j'ai vu le commentaire, moi, ça m'a fait rire. Soit peut-être c'est son parent, soit peut-être que c'est son neveu, soit peut-être que dans le staff là, lui, il y avait un jeune Yakuba là-bas, du nom de Jussé. De temps en temps, j'ai communiqué avec Jussé. En tout cas, vraiment, ça là, ton affaire là, moi, je suis plus dedans, et que j'ai parlé dedans beaucoup jusqu'à aujourd'hui là, je ne peux pas, chose. En tout cas, je ne suis plus dedans. Ça veut dire que tout l'entourage là savait très bien que Yirielou, ça va escroquer les gens. Et c'est ça à prendre pour payer ses personnels. Et c'est ça à prendre pour payer ses maisons. Et c'est ça à prendre pour faire des choses. Donc moi, je pense que moi là, je suis en train de dire, je n'ai pas besoin qu'on me soutienne dedans ou quoi que ce soit. Ça dit que ça veut dire c'est pure et simple escroquerie. Et moi, je veux entendre la parole de son fils, le fils de Yirielou, Yirielou Colette. C'est un grand garçon. Il est chez eux. Il est de la médecine, délégué médical, c'est un cadre privé, donc il sait très bien, sa maman, c'est le grand-fils, sa maman lui a parlé, il connaît le bien de sa maman, il sait comment il va faire, donc au lieu de laisser dans la main de ses parents pour en train d'aller dans le même sens d'escroquerie, aller dans le même sens de mensonge avec celui avec qui il est le doigt là, il n'a qu'à prendre son destin en main. Sinon que moi je suis dans la logique hein, de maudits jusqu'à à 4 générations ou à 5 générations, à l'infini même. C'est pas sérieux. On ne peut pas rester tout le temps escroquer les gens et puis il n'y a rien. Et puis les forces de l'ordre soutiennent souvent. Quand on la convoque là, elle rentre dans son réseau et puis on la protège. Pourquoi? Une grande dame, on dit, je vais à la gendarmerie, on dit oui. Il y a un gendarme qui est sorti. Vous pouvez dire, qu'est-ce que j'entends là? On dit, on a convoqué Yirielou, Yirielou Colette. Celui qui l'a convoqué là, je suis venu le voir. J'étais assis. Et puis il est venu. Il dit, bon. Ah, ça là, vraiment, c'est une grande dame. Hein. Et c'est toi pour arriver. C'est ce que le jeune homme là m'a dit. Effectivement, on fait confier le dossier à un jeune homme, à un certain adjudant chef EIPO. Au début, il a commencé à être un peu chaud, vraiment. En tout cas, quand ses patrons ont commencé à signaler, c'est moi maintenant qui deviens maintenant chose qu'on appelle le victime devient maintenant chose. C'est à moi qui pose la question maintenant. Non, tu as fait quoi avec l'aide? Mais vous avez fait des affaires. Elle est venue ici, elle dit que vous avez fait des affaires. Alors, on a fait des affaires comment? Comment ça s'est passé? Est-ce que dans ça, il n'y a pas eu d'escroquerie? Devant la loi, quand tu vas voir quelqu'un pour un projet qui existe, est-ce que tu penses aux gens que ce projet-là est déjà financé et tout ça? Que venez prendre, venez payer DAO pour aller sur le terrain. Moi, j'envoie les gens sur le terrain pour aller voir les gens. À chaque voyage, c'est au moins 60 000. La personne s'en va là, il dort à l'hôtel. Il mange
tout ça là. Moi, je pensais que, comme on dit le financement idéal là, une fois que c'est fait, on a eu le contrat, le cahier DAO, on commence à faire notre mise en place du chantier, on nous paye 15% de 2 milliards, on rentre dans le chantier, on paye déjà ceux qui nous ont soutenus dans les financements et tout ça, les rachats du marché, tout ça. Alors que on nous dit que le financement est là, mais le financement n'était pas là. Après, on nous dit oui, c'est le président Ouattara qui ne veut pas que le projet ait lieu. Est-ce que, en faisant ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est de l'escroquerie, c'est de la narque. Il est Colette. 10 ans, je suis en train de faire les directs. À un moment donné, c'est les journaux qui vont suivre. Moi-même, je suis de la presse. Je suis un patron de presse. Donc, on ne peut pas s'amuser avec moi. J'attends. Parce que la presse là, une fois c'est écrit là, c'est écrit. Oh ça là, on peut enlever. Ils peuvent venir me voir pour dire voilà ton argent, j'enlève la vidéo. Donc c'est pour ça que je temporise sur les vidéos, publication de vidéos. Mais quand je vais commencer à faire la presse maintenant, là, quand la photo de Yiri Colette va être dans les journaux, partout dans le monde là, là c'est gâté. Pour le moment, j'exhorte ses parents. J'ai entendu hier que, oui, on dit ses parents, là, il faut faire très attention, hein. Il faut faire très attention à tes sorties, hein. Ils sont en train de te chercher pour te tuer. Qui peut faire ça? Ça, c'est son petit frère. Son fils, là, ne me connaît pas. De leur famille, là, personne ne me connaît. C'est Gabi qui me connaît. C'est Gabi qui va aller dire aux gens, allez, lui là, suivez-le, allez le tuer. Si je suis mort là, est-ce que c'est arrangé? On nous l'a dit un jour que c'est Yidé Colette qui devait à ce monsieur. Donc quand il a commencé à parler net, ses parents sont venus le tuer. Là encore, elle sera encore maudit plus de 10 fois. Le fils de Yidé Colette, si tu me regardes, prends ta décision, rembourser les dettes de ta maman. Il reste 3 800 000 francs. Je crois 3 300 000, excuse-moi. 3 300 000. 3 300 000. Que Yiri Colette doit à moi, Laïbi. J'ai tous les papiers. Appelle-moi. Voilà mon numéro. 05 54 09 16 50. Appelle-moi, on va se voir. Ne pense pas à tuer quelqu'un. Appelez la personne. Vous allez payer ses dettes. C'est tout. Celui qui commande, oui, moi je suis lâche. En quoi moi je suis lâche? Quelqu'un vient m'escroquer. Je parle, tu dis chose. Je suis un lâche. Lâche là, quand tu es allé à l'école, là, lâche là, ça veut dire quoi? Dis-moi, on dit oui, tu es un lâche, que c'est comme c'est pas ici là que tu dois venir parler. Je dois aller parler dans le salon de qui? Dans le salon de à la salle Ouattara.
tout aujourd'hui là, vous mettez sur Alassane Ouattara. Covid là, l'argent de Covid là, elle a été payée. Elle m'a dit, si l'argent de Covid est payé là, elle m'a enlevé mon argent dedans. Parce que c'est Ouattara qui n'a pas voulu que son projet soit voit le jour. Et que Covid là, on devait lui donner 1 milliard. Mais si tu n'as pas eu 1 milliard là, le peu que tu as eu là, tu prends mon argent, tu dois. Même ceux même qui étaient avec elle, elle les a doublés, elle n'a pas payé leurs droits. Il y en a aujourd'hui qui se trouvent au village là-bas, qui ne gagnaient pas 5 francs même à bien ici. Donc, mon fils, le fils de Guillaume et de Colette, c'est à vous que je m'adresse. Payez les dettes de votre maman. C'est en cela que vous êtes fort. C'est ce matin-là, je voulais clarifier un peu pour parler au fils de Hilary et Colette. Il n'a qu'à donner conseil à son oncle. Au lieu qu'il va penser à tuer quelqu'un, il n'a qu'à payer la dette de sa grande soeur. S'il pense que réellement, l'argent là, ce n'est pas son argent, mais elle a pris quand même, elle a bouffé. D'après lui-même, il me dit que oui, elle prenait cet argent là pour payer les blancs, les bailleurs qui viennent ici, qui viennent dormir et vient, elle les loge à l'hôtel. C'est moi mon argent que tu prends pour payer les hôtels. Alors que tu dis que l'argent financement est déjà là. C'est un détournement. Tu as pris l'argent pour faire quelque chose. Tu n'as pas pu faire avec ça. Tu prends pour aller faire autre chose. C'est un détournement. C'est malhonnête. Merci. Je m'arrête là pour ce matin. Chaque jour, Dieu fait, je vais maudire Hilary. Tant que les gens n'ont pas venu me donner mon argent. Je vous remercie. Ivoire TV.